L'emozione di avere Pierre Rabhi, anzi io vi invito a venire anche un po' più avanti se volete, perché veramente è importante, siamo un po' qui in famiglia, venite un po' più avanti. Possiamo abbassare un po' la luce? Va bene così? Ancora un po'? Perfetto, voilà. Sembrava di vederlo fantastico. Allora, a Pierre chiediamo quale futuro vogliamo costruire e come. Ben, il est certain que le futur sera ce que nous voudrons faire du futur. Ed è certo che il futuro sarà quello che noi vogliamo fare del futuro. Bien sûr, il y a aujourd'hui des impasses politiques, il y a... nous sommes sur une planète avec la mondialisation qui a mis la concurrence internationale, donc la guerre économique et toutes ces choses-là détruisent évidemment, ne permettent pas un futur vivant. La situazione di oggi vede una globalizzazione, uno stallo politico e tutto questo non aiuta a costruire un futuro. Sur la planète, il y a des guerres militaires, des guerres civil, il y a des guerres économiques, il y a la guerre que nous menons contre la nature aussi. Et sur la terre, ci sono guerre civili, economiche, ma anche le guerre che noi conduciamo contro la terra. Tous ces éléments pris les uns, il y a aussi le fait que nous nous rendons en quelque sorte la vie impossible par les pratiques qui introduisent dans le système vivant beaucoup de nuisances atomiques, de nuisances chimiques, de nuisances... Donc on peut dire que l'état des lieux général donne l'impression que l'humanité est en train de se suicider. Facendo un'osservazione da fuori, si vede che l'umanità introduce nella sua vita degli inquinamenti, delle cose nocive di natura atomica, chimica, e sembra quasi che l'umanità voglia suicidarsi in qualche modo. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la domination de l'argent. Ciò che domina in questo momento è il denaro. Et c'est-à-dire les possesseurs d'argent deviennent de plus en plus les maîtres du monde. E quindi coloro che posseggono il denaro diventano i padroni del mondo. Et ça va tellement loin que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est des minorités humaines qui possèdent beaucoup de moyens, qui sont en train même de racheter le patrimoine collectif de l'humanité, les forêts, l'eau, la terre, ils rachètent tout. Quindi quello a cui si assiste oggi è una minoranza che ricca e possidente che priva il resto dell'umanità di quello che gli appartiene, quindi la natura, le risorse. Et aujourd'hui, malheureusement, nous participons tous sans même sans le vouloir, disons à stimuler cette démarche. Par le fait même que bah, on est obligé, je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui sont venus avec une charrette ou un cheval. In qualche modo siamo un po' tutti incastrati in questo sistema. Si chiede se qualcuno di voi sia venuto qui con un carretto trainato da un cavallo. Donc on a donné de l'argent aux multinationales. E quindi anche noi abbiamo dato del denaro delle multinazionali. Et on les aide finalement à acquérir encore plus de pouvoir. E questo aiuta queste multinazionali a diventare sempre più potenti. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des voitures, qu'il ne faut pas le progrès, mais le progrès doit être orienté dans le sens de comment améliorer la condition générale des êtres humains et non pas comment améliorer le profit d'une minorité humaine. Sicuramente il progresso non va arrestato, ma va volto non ad aumentare il profitto di alcuni, ma il benessere di tutti. Et avec et sans hypocrisie, c'est-à-dire avec une honnêteté très forte, dire notre préoccupation, c'est vraiment le genre humain dans son évolution. Et quindi con onestà e senza ipocrisia, la preoccupazione principale dovrebbe essere il genere umano e il suo futuro. Quand je me suis présenté aux élections de 2002, c'était cette thématique-là, c'est-à-dire le féminin au cœur du changement, c'est-à-dire une agriculture respectueuse du milieu. C'est-à-dire une éducation qui éduque à, pas à la compétitivité, mais à la coopération, le respect du monde animal, etc.
Allora, nel 2000, dovete sapere che nel 2002 Pierre si è presentato alle elezioni nazionali, le presidenziali francesi, però ponendo fra le tematiche delle cose veramente rivoluzionarie, fra le quali c'era un nuovo modello di educazione che eliminasse la competitività, ma che favorisse la solidarietà invece, un nuovo equilibrio fra il femminile e il maschile, quindi dando al femminile un'importanza maggiore. Donc il est évident que dans cette démarche, en quelque sorte, où l'humanité détruit l'humanité et l'humanité détruit la nature, il est certain que c'est une voie suicidaire. Et quindi questa via che abbiamo preso, per la quale l'essere umano distrugge l'essere umano e a sua volta anche la natura, non può che essere una via suicida. Voilà. Donc vous avez dû parler pas mal de la nourriture. La nourriture aujourd'hui, c'est une nourriture qui véhicule des nuisances, c'est-à-dire que c'est une nourriture toxique. Avete parlato molto bene dell'alimentazione. L'alimentazione di oggi è un'alimentazione che veicola qualcosa di nocivo e quindi che è tossica. L'eau est polluée. L'acqua è inquinata. D'ailleurs, on voit que l'eau qui doit être libre évolue de plus en plus dans des bouteilles, de plus en plus de bouteilles. Quindi l'acqua che dovrebbe essere libera è venduta sempre più in bottiglia. C'est quand même pas normal que l'eau ce soit dans des bouteilles, il faut que ça soit dans des fontaines, dans des lieux où on a une eau de qualité et gratuite, et pas passer par acheter de l'eau, ce qui est absurde. E quindi sarebbe più logico che l'acqua fosse libera per tutti, quindi che appartenesse a luoghi pubblici come delle fontane. È assurdo dover acquistare dell'acqua. On sait qu'il y a une médecine aussi, une médecine de la prescription, c'est-à-dire qui ne s'intéresse qu'à aux symptômes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une médecine de qualité qui prend l'être humain dans sa totalité pour mieux le comprendre et mieux le guérir. On a des laboratoires pharmaceutiques qui vendent énormément de médicaments. Anche la medicina di oggi si basa soltanto sui sintomi, questo è un po' finalizzato a vendere tantissime medicine, non si occupa della persona umana nel suo insieme. On sait que 60%, il y a à peu près 60% des semences que l'humanité a accumulées à travers les siècles et des millénaires qui ont déjà disparu, et sans semences, l'humanité ne peut pas vivre. È noto a tutti che il 60% dei semi che sono patrimonio comune da migliaia di anni è già scomparso. Donc si on peut faire encore beaucoup plus grand le bilan, disons ce qu'on appelle l'état des lieux, la situation réelle dans laquelle évolue l'humanité aujourd'hui, il n'est pas possible qu'elle puisse durer longtemps. Quindi facendo un sunto dello stato dei fatti, non si può pensare che la situazione attuale possa continuare ancora. Par contre, je l'ai dit déjà, ce qui se passe ici par exemple, c'est magnifique, parce que là il y a une réflexion, une réaction, une créativité, comme on en voit. Per esempio, in un luogo come questo è successo qualcosa di magnifico, perché c'è la riflessione, c'è la reazione, la creatività, tutto volto al miglioramento. Donc les moyens de s'en sortir relèvent du choix de société, et comme on a choisi une vie avec du toujours plus indéfini, par ce qu'on appelle la croissance économique, toujours, toujours plus, toujours plus, on ne peut pas imaginer que la planète puisse répondre à l'insatiabilité du genre humain. Si tratta quindi di una scelta, come si è stati partecipi della scelta del vorrei sempre di più, di un'insaziabilità dell'essere umano, si può scegliere anche il suo contrario. Si les Chinois, les Pakistanais, enfin tout ce monde-là veut vivre comme nous, la planète ne peut pas répondre. Se per esempio i cinesi, i pakistani e l'Oriente volesse vivere al nostro livello, non sarebbe possibile rispondere ai loro bisogni. Par contre, il y a des solutions alternatives, mais elles ne peuvent reposer que sur le choix d'une société modérée. L'unica scelta possibile è una società basata sulla moderazione. Alors, je voulais amener une contribution dans le sens de... ça c'est Caroline, mon assistante, qui me l'a suggéré, je crois qu'elle a raison. Ma véritable contribution peut-être ici, c'est de vous faire part d'une aventure qui s'est passée dans les pays africains, c'est-à-dire dans les zones où on peut dire
la mort a frappé. Su suggerimento della mia assistente, il contributo che vorrei portare oggi è la mia esperienza nei paesi africani, dove sono stato designato consigliere, ora vi racconterò nel dettaglio. C'est-à-dire que là, on s'est trouvé dans une région du monde qui a été affectée dans les années 70 par une terrible sécheresse. Terrible. C'est ce qu'on appelle la bande sahélienne, Sahel. Si parla del Sahel e quindi di una zona che ha subito un momento, una situazione terribile di desertificazione assoluta. Cette bande, elle se situe entre le Sahara, le désert, et la forêt tropicale du sud. E questa zona si trova fra il Grande Sahara e la foresta tropicale del sud. Et au lieu de voir la végétation monter vers le nord et régénérer les terres, c'est au contraire le désert qui avance. Et quindi invece di vedere la foresta che avanza e che vince sul deserto, si vede il contrario, il deserto che avanza e vince sulla foresta. Donc on peut dire qu'il y a un processus de mort de la terre, de dégradation radicale de la terre. Quindi si assiste a un processo di morte e di degradazione radicale della terra. Suite aux années, dans les années 70, la sécheresse, elle a détruit tout le couvert végétal, la couverture végétale. Quindi negli anni 70 la siccità ha distrutto completamente tutte le piante. La destruction de la couverture végétale a entraîné la mort des animaux, bien sûr. E di conseguenza sono morti anche gli animali. Et la mort et la destruction des humains aussi. E di conseguenza ancora la morte degli esseri umani. Donc on avait affaire à un territoire important qui était rentré dans le processus de désertification et donc de mort et destruction. Quindi il quadro generale è una zona molto vasta colpita da desertificazione e quindi da morte. C'est à ce moment-là que, partant de l'expérience que j'avais pu faire moi-même sur notre ferme française, e quindi basandomi sull'esperienza avuta in Francia nelle nostre fattorie, c'était ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Quindi si tratta di agricoltura biologica. On me dit être l'un des pionniers de l'agriculture biologique, donc puisque j'ai commencé à la pratiquer en 1963 sur notre ferme en région, en zone aride de France. E diciamo che siamo stati dei pionieri perché abbiamo cominciato a praticarla nel 1963 nelle zone aride della Francia, in Ardèche. J'ai refusé en quelque sorte de pratiquer l'agriculture chimique. E subito ho rifiutato di praticare l'agricoltura che utilizzasse delle sostanze chimiche. Et je vais me limiter aux évolutions du sol, c'est-à-dire que le sol que nous avions était plein de cailloux rocailleux. Il est toujours d'ailleurs, mais plein de extrêmement rocailleux et sec. E quindi basandoci sul tipo di territorio, sul terreno che avevamo a disposizione, che era molto secco. Avec un travail raisonné du sol, c'est-à-dire sans retournement du sol, avec un travail de ce qu'on appelle scarification, c'est-à-dire qu'on ne fait que ameublir la terre, mais on ne prend pas les gros charrues qui retournent la terre. Quindi senza un lavoro troppo invasivo, facendo delle scanalature, quindi senza rivoltare il terreno. Parce que quand on fait un grand retournement de la terre, on prend l'argile qui est en dessous, on la met en haut, et la terre arable de la surface, on la met en dessous. Perché facendo questi grandi rivoltamenti si porta in superficie l'argilla e questo è dannoso. Donc il faut un travail raisonné. Voilà. Et pour fertiliser la terre, certains le savent dans cette salle, on prend les déchets, on les composte, on les transforme en humus. Et l'humus est l'élément clé de la vie tout entière. Quindi abbiamo scelto di partire dagli scarti organici e creare del compost, dell'humus per fertilizzare i nostri terreni. E l'humus è proprio il punto di partenza. D'ailleurs, l'étymologie en français, en tout cas, humus, humilité, humidité, humanité, humilité, c'est la même étymologie. Ed è interessante notare che humus in francese, ma anche insomma di origine latina, humus, umanità, umiltà e umidità hanno la stessa etimologia. C'est ce que vous trouvez dans les forêts. Les déchets qui tombent, les déchets qu'accumulent les forêts, elles se recyclent en cet élément nutritif d'une très grande importance.
E quindi gli scarti che voi trovate, gli scarti organici che trovate nelle foreste, sono un concime magnifico. Alors une fois qu'on est arrivé à des très bons résultats dans la transformation des sols, on m'a demandé est-ce que vous pourriez pas venir en Afrique aussi pour enseigner ce que vous avez appris. Ed essendo venuti a conoscenza dei buoni risultati che avevamo ottenuto in Francia, mi hanno chiesto di andare in Africa a trovare delle soluzioni. Et donc j'ai été invité par le gouvernement et par une association au Burkina Faso. E quindi sono stato invitato sia da un'associazione ma che dal governo stesso nel Burkina Faso. Et en 81, après la terrible sécheresse qui a eu lieu dans les années 70. Nel 1981, dopo la terribile siccità degli anni 70. Et nous avons commencé à enseigner. Seulement, quand je me suis trouvé dans ce milieu, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire seulement que de l'agriculture biologique, il fallait faire de l'agroécologie. E quando mi sono trovato in questa situazione mi sono reso conto che non bastava dell'agricoltura biologica ma anche dell'agroecologia. Parce que dans l'agroécologie, il faut ajouter la lutte contre l'érosion des sols. Perché nell'agroecologia è inclusa anche la lotta contro l'erosione del suolo. Le reboisement. Quindi il rimboschimento. La régulation des troupeaux qui en fait sont trop nombreux par rapport à la capacité du milieu à les nourrir. La regolazione degli allevamenti perché gli animali erano troppi rispetto alla capacità nutritiva del terreno delle piante. Il fallait limiter les pratiques de brûlage du sol que faisaient les Africains. Limitare anche le pratiche del bruciare i terreni che facevano insomma normalmente gli africani. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à démontrer qu'avec les techniques devenues agroécologiques, donc les paysans se sont rendus compte que les terres devenaient meilleures et plus fertiles. E quindi in maniera pratica abbiamo dimostrato agli agricoltori locali che la terra era divenuta migliore, più fertile. Parce que ce qui a énormément nuit à ces paysans pauvres, c'est qu'en fait c'était des paysans qui se nourrissaient avec leur travail de la terre, avec leurs troupeaux. Et à ces paysans-là, on leur a demandé de produire, pas seulement pour se nourrir, mais produire en priorité des produits exportables, le coton, les cacahuètes, les arachides, etc. Perché quello che è da aggiungere per chiarire bene il quadro della situazione è che questi agricoltori non dovevano solo pensare all'agricoltura di sussistenza, ma erano impiegati anche in altri tipi di agricoltura d'esportazione, dal cotone ad altro. Voilà, ce qui faisait rentrer des devises, e l'État pouvait avoir des devises. Seulement, ça s'est fait au détriment de l'agriculture dite vivrière, l'agriculture qui nourrit les gens chaque jour. Quindi era necessario ritornare all'agricoltura di sussistenza. Et on a enseigné à tous ces paysans d'utiliser des engrais chimiques et des pesticides. E quindi abbiamo spiegato a loro di non utilizzare delle cose chimiche e dei pesticidi. Et comme vous savez que pour faire l'engrais chimique, il faut à peu près 2,5 à 3 tonnes de pétrole pour faire une tonne d'engrais. Quindi occorrono, forse voi lo sapete, per fare dei concimi chimici 2,1% di petrolio. Donc le paysan se trouve, disons, dépendant en quelque sorte d'une matière nouvelle qui lui coûte très cher. E quindi in qualche modo questo li rende dipendenti da una materia che loro non possono produrre e che costa loro molto caro. Par contre, son produit, le coton, les arachides, etc., sont indexés sur le marché international, c'est-à-dire que l'agriculteur californien ou n'importe était traité de la même façon que le petit agriculteur sahélien avec sa petite bêche et son petit champ. Il problema è anche che questi prodotti globalizzati come cotone, arachidi, eccetera, sono indicizzati sul mercato e questi agricoltori venivano trattati allo stesso modo dei grandi produttori statunitensi, per esempio. Donc vous imaginez le déséquilibre entre la loi du marché, c'est-à-dire que le paysan vend son produit et il est indexé sur le cours mondial de la matière première. E quindi immaginate lo squilibrio di questo comportamento e di questo trattamento rispetto ai due tipi di interlocutori. Et lui, il a une dépense fixe qui est celle de l'engrais. E in qualche modo il legame e la dipendenza più forte era quella chiaramente dei piccoli agricoltori.
la plupart du temps, quand l'engrais, on lui fait crédit, c'est-à-dire qu'on lui donne de l'engrais en lui disant on t'avance l'engrais, quand tu auras vendu ton produit, eh bien tu viens nous rembourser. E quindi come si faceva ad acquistare questo concime? Erano obbligati praticamente ad essere sempre in debito. Glielo davano in anticipo e poi gli si diceva quando avrai venduto il tuo prodotto mi ripagherai. Sauf que le terme des échanges est tellement déséquilibré que le paysan est endetté constamment. E quindi questo succedeva, comportava che di fatto l'agricoltore fosse sempre indebitato. Et c'est comme ça que les paysans en masse, les jeunes en particulier, quittent la brousse et vont vers les villes parce qu'ils espèrent que dans la ville ils vont mieux s'en sortir. E quindi questo ha comportato che soprattutto i giovani abbiano abbandonato l'agricoltura e si siano recati verso le città. Si vous ajoutez à cela des États qui sont malhonnêtes, c'est-à-dire qui sont, ce sont des politiciens et des États qui sont malhonnêtes, qui exploitent cette masse de paysans pour faire de l'argent par l'exportation, eh bien, vous aboutissez évidemment à une paysannerie ruinée. E a questo bisogna aggiungere che il quadro politico vede dei politici che sfruttano completamente delle grandi masse e questo non può che portare alla distruzione del lavoro degli agricoltori, dei piccoli agricoltori. Parce que le politicien, des gens du Nord viennent dire vous avez telle matière, elle nous intéresse. Lui, le politicien, allez-y, prenez-la, mais vous me donnez une récompense sous table, quoi, c'est-à-dire, voilà. Quindi arrivano dei compratori da fuori per materie prime che interessano all'estero, il politico gliele fornisce prendendo dei soldi sotto banco. E c'est comme ça qu'on arrive, disons, à des populations qui ont faim, qui sont endettées et dans le désespoir. E quindi il risultato è che ci sono una parte di popolazione estremamente ricca e un'altra che è alla fame e alla disperazione. Alors au nord, des gens viennent en disant on va secourir ces pauvres gens. On va leur apporter des sacs de riz, on va leur apporter, on va les aider, etc. Et donc ce mécanisme de mise, c'est ce qu'on appelle le pompier pyromane, c'est-à-dire qu'à la fois on met le feu et à la fois on prétend l'éteindre. Et sempre dal nord del mondo arrivano le organizzazioni internazionali che vogliono aiutare queste popolazioni, quindi portano il sacco di riso, gli abiti, è un po' il sistema del pompiere piromane che da una parte picca il fuoco e dall'altra cerca di spegnerlo. Donc c'est ce système-là qui fait qu'aujourd'hui, des pays qui pourraient largement s'en sortir, ne s'en sortent pas. Et questa è la ragione per la quale questi paesi che avrebbero tutte le risorse e le possibilità di uscire da questa impasse, da questa povertà, non riescono ad uscirne. Donc la famine est organisée presque stratégiquement. Et c'est un drame. Et à ce moment-là, ce qui est apparu véritablement comme extrêmement efficace, c'est l'agroécologie. Et quindi questa è la situazione, la cosa che la soluzione che è risultata estremamente efficace è stata l'agroecologia. Ce qui nous a amené à créer le premier centre de formation à l'agroécologie en zone aride. E quindi è stato creato il primo centro di formazione di agroecologia nelle zone aride. Et nous avons donc travaillé pendant des années à former les populations. Et quindi per anni abbiamo formato la popolazione. Et aujourd'hui, d'après mes élèves que j'ai beaucoup formés depuis longtemps, il y aurait 100 000 paysans qui pratiqueraient au moins le compostage, c'est-à-dire la fabrication à partir des déchets organiques d'un humus fertilisant que l'on met dans le sol et qui régénère les sols. E in questo momento, grazie anche a persone che hanno studiato con me, ci sono 100.000 agricoltori che praticano l'agroecologia con il compostaggio. Alors, quand cet humus que l'on obtient, si on va au laboratoire pour dire qu'est-ce qu'il y a dedans, eh bien, on va nous dire qu'il y a des micro-organismes, il y a des microbes très importants et des microbes très utiles à la vitalité de la terre. Se si prova a portare dell'humus in laboratorio, si vede che questa è una materia viva, che è piena di microrganismi e di elementi vivi. On a fait des expériences, vous voyez. On prenait un peu d'humus qu'on mettait au fond d'un verre,
et puis on mettait sous un robinet qui goûte. Et on s'est aperçu que quelquefois, cet humus retenait jusqu'à 7, 8, voire 10 fois son propre poids en eau. C'est-à-dire que c'est une éponge que l'on met dans la terre. Si è fatto un piccolo esperimento riempiendo qualche dita di humus in un bicchiere di vetro e facendo andare poche gocce dentro e tutte queste i 7/8 di queste gocce venivano assorbite, quindi è come mettere un'enorme spugna nel terreno. Donc la pluie qui tombe elle est retenue par une organisation qui évite que l'érosion, qui évite qu'elle s'en aille en emportant la terre. E l'humus quindi in qualche modo trattenendo anche l'acqua evita l'erosione. L'humus que l'on met dans la terre apporte les microbes et les micro-organismes et une grande partie des oligo-éléments qui sont indispensables au sol. Et l'humus porte anche microbi, micro-organismi, oligo-elementi necessari al suolo. Il retient l'eau. Trattiene l'acqua. Donc c'est un et il est gratuit. Ed è gratis. Voilà. À partir de là, on se rend compte combien finalement la nature peut guérir la nature. Mais il faut un homme intelligent. Voilà, un homme qui se contente d'aller chercher des sacs d'engrais pour mettre dans la terre. Je ne dis pas qu'il est inintelligent, mais je dis que c'est absurde. Et quindi la natura può vincere la natura, ma ha bisogno dell'aiuto di un uomo intelligente. L'uomo che mette degli elementi chimici nella terra non è intelligente. Donc on m'a posé la question qu'elle peut être l'avenir. Vous savez, si l'humanité se mobilisait vraiment à prendre soin de la terre, à prendre soin de ce à quoi nous devons la vie. Quindi voi mi avete chiesto che cosa sarà il futuro e bisogna che l'uomo si mobiliti per far sì che in qualche modo si protegga la natura, che è la cosa che ci dà la vita. Seulement, la pratique agroécologique n'est pas simplement une pratique technique, c'est aussi une philosophie. Parce que l'agroécologie n'est pas seulement une pratique technique, mais aussi une philosophie. J'ai décidé, avec mon esprit, de prendre soin de la vie. Con il mio spirito decido di prendermi cura della vita e della terra. C'est pas seulement une alternative agronomique, c'est plus qu'une alternative agronomique puisqu'elle implique le fait que chaque fois qu'un paysan est formé à ces pratiques, il devient le guérisseur de la terre. Quindi non è solo una pratica agronomica perché ogni qualvolta un agricoltore viene formato all'agroecologia diventa gli stesso un guaritore della terra. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Parce que le changement c'est pas simplement manger bio. On peut manger bio, recycler l'eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Ce n'est pas incompatible. Quindi non è soltanto condurre una vita biologica, ecologica, quindi mangiare bio e non inquinare, ma è anche rispettare il prossimo. Donc l'agroécologie intègre en quelque sorte une éthique de l'usage et une morale du comportement. Quindi l'agroecologia in qualche modo si integra un'etica dell'uso e del comportamento. E a ce moment-là avviene una vera rivoluzione capace di cambiare il mondo. Ed è così che avviene una vera rivoluzione capace di cambiare il mondo. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas en France, on voit bien que comme le marché de la bio commence à augmenter, la grande distribution, c'est-à-dire les supermarchés, s'y intéresse. E per esempio, il fatto che è sotto gli occhi di tutti il fatto che i mercati bio sono in grande espansione e che i supermercati adesso se ne interessino. Donc l'idée c'est pas de dire on va simplement cultiver bio, de dire c'est le fondement d'une nouvelle civilisation, d'une civilisation réelle. Quindi non è soltanto produrre bio, ma è il fondamento di una nuova civilizzazione reale. C'est-à-dire prendre soin de la terre. À laquelle nous devons nous-mêmes notre propre survie, mais prendre soin avec un esprit presque, je dirais, spirituel, pas seulement matériel. Quindi curare la terra alla quale noi dobbiamo la vita, ma in un modo direi spirituale. Et nous avons quand même un devoir aujourd'hui, c'est que nous sommes là, mais il y a aussi des enfants, des générations qui arrivent. Et ces enfants et ces générations, on ne peut quand même pas
les mettre en situation de résoudre tous les problèmes que nous nous avons provoqués à leur détriment. E oltretutto bisogna considerare le nuove generazioni, i bambini del futuro non devono essere costretti a risolvere tutti i problemi che noi abbiamo creato. Donc vous voyez combien c'est quelque chose de global et c'est pas ça ne peut pas être simplement réduit à une alternative agronomique ou agricole, c'est aussi une alternative humaine qui nous amène à nous transformer pour bien comprendre le rôle que nous avons dans le futur. Quindi si tratta di un discorso globale e soprattutto di un'alternativa umana, non solo agricola, per risolvere i problemi del futuro. C'est ma façon en quelque sorte de répondre à la question qu'est l'avenir. Ben, déjà, essayons de sauver la terre qui nous nourrit, parce que si la terre qui nous nourrit meurt parce qu'on la malmène, on l'empoisonne, on la bétonne, on voit par exemple des terres magnifiques qui sont aujourd'hui bétonnées, ça c'est un désastre, un véritable désastre. Parce que ces couches de terre qui sont indispensables à la vie, il faut les préserver comme un patrimoine sacré. Quindi la terra va preservata dall'inquinamento, dalla cementificazione, come fosse un patrimonio sacro. Donc voilà, disons ce qu'on pourrait dire sur le message global qui peut amorcer une révolution, mais je ne pense pas. Enfin, moi, je prêche, si vous voulez, en France. Les politiques disent il faut toujours de la croissance. Si tratta di una rivoluzione e a questo proposito vorrei parlarvi del fatto che i politici dicono sempre che si tratta di della crescita economica per risolvere i problemi. Et ils prétendent que c'est avec la croissance économique qu'on va régler le problème de l'indigence et de la pauvreté. Essi credono e dicono a tutti che è attraverso la crescita economica che si risolverà la povertà e la fame. Alors que c'est à cause de la croissance que l'on crée de la misère. Invece è l'opposto, è a causa della crescita che si crea miseria. C'est pour de la croissance ou pour de l'économie qu'on détruit les forêts, qu'on épuise les ressources de la mer, qu'il y a cette guerre affreuse internationale. La compétitivité internationale et toutes ces choses qui détruisent sont toutes réglées par cette obsession de la croissance économique. Quindi tutte le guerre sociali e economiche sono determinate dal desiderio di crescita illimitata. Et c'est pour ça que nous proposons de construire la nouvelle civilisation sur la puissance de la modération. La modération en tant qu'art de vivre est puissance. E quindi la nostra proposta di costruire la nuova civiltà sul potere della moderazione. La moderazione come choix de société è beaucoup plus réaliste que de croire que tout le monde, les Chinois, tout le monde va vivre comme les riches. C'est impossible. E la moderazione è una scelta anche più realistica. È impossibile pensare che le popolazioni dell'Oriente, per esempio, possano vivere al livello al quale viviamo noi. Donc, je ne sais pas si ça vous a intéressé, mais en tout cas. J'ai essayé de mettre en avant les éléments, mais je crois que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est à préserver tout ce qui permet à l'humanité de survivre. Parce que si on ne prend pas cela, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. Et quindi la prima cosa da fare è preservare quello che permette all'umanità di sopravvivere, altrimenti non ci sarà nessun futuro. E spero che le cose che vi ho detto vi abbiano interessato. Le futur est dans une éducation non pas compétitive, mais la coopération. Quindi occorre educare i ragazzi, ma anche gli adulti, non alla competitività, ma alla cooperazione. L'avenir est un équilibre entre le féminin et le masculin. E quindi il futuro sarà dato da un equilibrio fra il maschile e il femminile. Et bien sûr, la préservation des ressources indispensables à la survie. C'est ce que donne la modération. E attraverso la moderazione la preservazione delle risorse che appartengono a tutti. Alors dans tout ça, je pourrais vous parler encore des heures, mais comme j'ai un temps limité, donc je suis obligé de concentrer un peu pour vous dire simplement que je ne suis pas seulement dans la théorie, puisque nous sommes dans des actions très concrètes, nous créons des choses, des structures de formation, on a des programmes internationaux d'intervention dans différents pays, en particulier du Sud,
les structures de formation accueillent des publics français qui veulent, même ceux qui veulent faire leur jardin, viennent apprendre comment cultiver le jardin biologique. Et nous avons aussi donc mis en place, enfin différentes structures, il y a un monastère qui s'appelle le monastère de Solan, il y a une structure qui s'appelle les Amanins, il y a une structure qui s'appelle le Hameau des Buis, qui a été créée par ma propre fille. Donc on est aussi dans les réalisations, et on est aussi dans un mouvement, il y a plusieurs mouvements, il y a le mouvement des oasis en tout lieu, qui veut dire qu'il faut que les gens se regroupent pour agir ensemble et créer des oasis dans le désert social qui est en train de se mettre aujourd'hui de gagner. Et on a aussi un mouvement qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui, qui s'appelle donc le mouvement des colibris, et je préférerais que ce soit mon assistante qui vous le présente, parce qu'elle est beaucoup plus, elle est moins peut-être poético-philosophe, plus réaliste, plus concrète, et peut-être que ce serait intéressant que vous l'écoutiez pour savoir ce que c'est que ce mouvement Oasis, qui est demandé d'ailleurs, on va vers la Belgique, on va vers un peu, je crois que vous avez aussi manifesté le désir d'en faire partie, donc c'est un mouvement qui aujourd'hui s'internationalise, de même qu'on a mis en route aussi un mouvement de femmes semencières, c'est-à-dire les femmes qui puissent préserver les semences, parce que les semences sont en train de disparaître. Vi riassumo tutto quello che lui ha detto. Allora, sono preparata. Dunque, naturalmente Pierre e i suoi collaboratori non fanno solo della teoria, hanno fondato più associazioni che si occupano in vari modi di formazione e di azioni concrete, fra le quali Terra e Umanesimo, le osi in tutti i luoghi, che in qualche modo cercano di combattere la desertificazione delle relazioni umane. Si tratta, per esempio, sua figlia ne ha fondata una in un villaggio nell'Ardèche vicino casa sua, e si tratta di un villaggio di 20 unità familiari, di una scuola elementare, una scuola media, hanno dei luoghi di ritrovo comuni, hanno della terra in comune, e l'obiettivo è quello di ricreare la solidarietà del villaggio, per esempio. E poi altre strutture, una creata in collaborazione con un imprenditore, Les Amanins, e in questa struttura si accolgono le persone, si fa formazione, insomma, Pierre non ha nessun pregiudizio nel collaborare con le persone, se non che siano di buona volontà e che siano oneste. E quindi gli capitava, ci raccontava di collaborare con degli imprenditori, e dice spesso gli imprenditori vengono da me e sono molto soddisfatti dei loro affari, ma molto infelici, quindi ci capita di fare delle cose insieme per rendere gli imprenditori anche più felici e anche gli altri. Mentre del movimento Colibri parlerà Caroline, che è l'assistente fidata di Pierre, e io tradurrò per lei. Bonjour à tous, donc je m'appelle Caroline, je suis l'assistante de Pierre, et donc je voulais juste vous présenter.